La petite sortie avec la famille 4 étoiles. Rando de un jour, avec la nuit au milieu de nulle part. Un grand sourire, madame. Donc on va essayer de faire oui, une journée complète avec une nuit dans la montagne. Premier arrêt. Premier arrêt à la voiture. Donc là on est quand même assez loin, hein. On a quand même marché pas mal de temps. Les gourdes. Parce qu'il faut une gourde. J'ai pas un truc là moi pour mettre sur le côté. Non mais c'est bon, je vais faire un garde. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il est fatigué en rando. Ça va? Ouais, super. Ça va? Devant? En même temps, je suis plus censé te parler. En face, on retrouve le, les crêtes qu'on avait faites dans une précédente rando. La vidéo est disponible sur la chaîne. On remonte doucement. Pour moi, il fait beau. Pas de pluie surtout. Les nuages sont assez bas quand même. Sortie agrémentée de géocaching, pour leur cache. Donc c'est un parcours de 48 caches. J'étais comme si de rien n'était. L'air de la souveraine avec ses deux bouteilles, ses deux gourdes. Elles sont devant. Je ne m'associe pas à cette blague. Oh putain, Biro, il refait le passage. Moi, ça va mieux passer après. J'ai cassé l'arbre. Bon, et là? Et là, il y a une trou avec une fourmilière, je vais tout casser. Tu peux venir quoi? Fais coucou à la caméra. Ah, c'est joli, attendez.
C'est hyper beau là. C'est hyper joli là. Attendez une petite seconde. Dove se trova il cammino? Dove se trova l'hôtel? Con el spa, por favor. El passage está aquí. Yo estoy muy cansada y me gustaría ir a dormir en un sitio agradable y confortable. On essaie de continuer. Je suis un peu perdu dans la forêt tout à l'heure. Heureusement, j'avais téléchargé la trace GPS de cette balade. Elle est superbe. Il y a des couches de neige en haut là. Ouais. Je pense qu'on peut en avoir là où on va aller ce soir. Quoi ? Un peu de brouillard qui arrive. Un peu de brouillard. On voit plus la vallée. Les nuages ont caché toute la vallée là. Donc là on a l'équipe, la fine équipe de la balade. Donc là c'est K qui adore la nature. Il y a Pascal et Benoît, les vrais baroudeurs. Voilà, on est arrivé au sommet, une crête, une petite colline là. Une visibilité pas très très bonne puisqu'on est entouré de nuages. Mais ça c'est quand même très agréable. On voit toute l'équipe. Je veux une bière. Et Mata la sauce et Blanco. Ça déconne, moi je pense que marcher 3 heures pour ce bus, c'est. C'est la même que dans le sauna quoi. C'est dur hein? Non. C'est un peu trop facile. 3 jours de marche dans un paysage lugubre. On va se manger. Le moral des troupes est au plus bas. Nous avons faim, froid et surtout nous sommes perdus. Voilà le camp monté. Toujours des petites tentes qui sont légères donc on n'a pas de soucis pour les porter.
Et on a installé le tarp pour s'abriter un peu mieux du brouillard en fait, parce que c'est assez humide. On a récupéré pas mal de bois et on va essayer de faire du feu en espérant que ça nous réchauffe un peu. Voilà. Donc, vue complètement bouchée, mais il fait pas trop froid. Donc là, en train de boire l'apéro, vous dites bonjour à la caméra pour dire que tout va bien, le feu a pris. C'est trop génial. C'est quoi alors? Le feu a pris. Ah, du dîner, ouais. C'est un verre pour deux, car. Ah, du dîner. Ah bon, moi j'étais en train de me le siffler tout seul. Et tiens, j'ai la bouteille. Oh putain, ça c'est bon. Tu veux l'erreur fatale, c'est de donner le verre à Benoît après. Ah merci. Mais je rigole. Attends, ouais, j'en je vais couper du bois. Quand? Heureusement qu'il y avait le rocher pour nous abriter quand même cette nuit. On va essayer d'aller jusqu'à la cabane pour se faire un petit déjeuner chaud. Là on voit de ce côté aussi la mer de nuages. Il est 6h45. Donc là on coupe un peu la rando puisque bon, on est un peu trempé. Et en fait, pour avoir le sommet de la balade est sous les nuages, donc ça sert pas à grand chose de continuer dans ces conditions.
Le soleil. Bon, hier soir, dommage qu'on ait une vue si médiocre parce qu'on était une heure de plus de marche de la cabane. Donc on se réchauffe, on prend le petit déjeuner dans la cabane. Et là, le soleil qui baigne. Je fais un petit 360. Ça veut dire ça, quand même.